Tu as étudié à l'IMETE? Oui. Tu as étudié au collège Saint André. Saint André. Et tu as fini l'examen d'état avec 62%? Oui. Vous étiez à 56? Oui. 22 ont réussi? Oui. La première, c'est une fille, elle a réussi avec 73%. Can I prophesy? Prophesy. Pour que tu continues. Rien. Voilà Omega réveillon prophétique. Dieu vient de susciter quelqu'un qui te prend en charge et qui paye tes études. Amen. Et quand tu le feras pour elle, rien attend. Quand tu parlais de pourcentage, tu as dit papa a réussi en combien, avec combien? 78. Oui. Est-ce qu'il y a une sœur parmi nous qui s'appelle Dorcas? Tout est Dorcas. Avance papa, Dorcas. Elle est née en octobre. Le 10. Je vais un 10 sortir comme ça dans ma tête. Avance papa. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer? Elle est là papa. Bon, c'est juste les pourcentages que j'ai vus. Donc ça va? Qui t'a invité ici? J'ai pris ici. Elle prie ici. Tu es pris ici? Oui. Tu t'appelles Dorcas? Oui. Tu es né quand? Le 10 octobre. 10 octobre. Tu as étudié à l'IMETE? Oui. Tu as étudié au collège Saint André. Saint André. Et tu as fini l'examen d'état avec 62%? Oui. Vous étiez à 56? Oui. 22 ont réussi? Oui. La première, c'est une fille, elle a réussi avec 73%. Can I prophesy? Prophesy. L'amouka, 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 l'amouka. Voilà, ça c'était le réveil prophétique. Méga réveillon prophétique. Viens. Je ne te vois pas continuer les études. 3 ans. Exact. 3 ans. Oui. Pourquoi? Quand j'ai fini le 5e des humanités, j'ai chômé 3 ans parce qu'il n'y avait pas. Tu as chômé 3 ans. Après les 3 ans. Après les 3 ans, j'ai décroché mon diplôme d'état en 2022 et il n'y a pas d'argent, je chôme encore. Voilà. Tu veux commencer les études? Oui. Où? À l'Unikin. Évangéliste Christ, viens. C'est toi qui payes ces études. Viens. Yes! Viens. Je cherchais une connexion. Je cherchais. Dieu me dit, c'est ta bénédiction. Aide cette fille à commencer à l'Unikin. C'est ta bénédiction. Et la même grâce qui assure un garçon qui s'appelle Bribri. Comme Bribri. Mon fils est né. C'est son brillance. On l'appelle Bribri. Vous l'appelez Bribri? Oui. Ce petit-là, c'est un savant. Il a, on dirait, ton cerveau, mais fois 7. Oui, exactement. C'est vrai ce que je dis? Exactement. C'est un petit extrêmement intelligent. Dieu dit que cette fille aussi, elle est très intelligente. Mais on ne doit pas la laisser comme ça. Il faut qu'elle étudie. Mon fils, tu crois que je suis prophète? Je le crois. Paye ses études, déjà la première année. Les suivantes, tu vas voir comment tu vas te disposer. Amen. Mais la première année, amen, parle avec ta femme. Amen. Ninel, Ninel, Ninel. Amen. Ninel. Ninel, Ninel. Bunda. Bunda. C'est ta femme? Oui. Avance, prophète. Parle avec ta femme et paye-la. Donc, dès que la veille se termine là, la première semaine déjà, arrangez avec elle. À l'Unikin, l'année académique commence quand? Ce mois de février, je pense. Février? Parle avec, tu veux faire quelle faculté? Droit. Droit? Paye, donc, parle avec ta femme, organisez-vous et payez les études de cette femme. De cette fille. Où est ton père? Il ne prie pas ici. Il prie au commissaire commun spirituel. Ta maman? Ma maman est à Kananga. Elle est à Kananga? Oui. Donc là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pour que tu continues. Rien. Voilà Omega réveillon prophétique. Dieu vient de susciter quelqu'un qui te prend en charge et qui paye tes études. Amen. Et quand tu le feras pour elle, la même grâce va vraiment se multiplier sur tous tes enfants. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, janvier commence, trouve quelqu'un que tu feras du bien. Amen. Je parle comme un esprit dans la salle ici. Je ne suis pas un homme, je suis un esprit. J'ai vu Christian, mais j'ai cherché quelque chose qui devait être attaché à lui. Quand on a commencé à parler des examens d'état, j'ai directement vu une Dorcas dans la salle.
Anaïs, c'est qui? La fille de ma cousine. Vous êtes dans la même maison? Non, mais elle vient souvent là-bas. Il faut prier, sinon Anaïs risque de mourir. Mais... on l'a ratée en 2023, on veut la récupérer en 2024, avant le 8 février. Il faut prier pour que cela n'arrive pas. Amen. Parce que tu es la femme que Dieu a établie dans votre maison. Amen. Pour sécuriser les choses. Évangéliste, prends soin de cette jeune femme. Qu'elle commence à l'unikine, paye. En tout cas, paye. Même le transport, paye. Je vais le faire. C'est un sacrifice que tu vas faire. Mais le Dieu que je sers, Amen, me dit de te dire qu'il, Amen, va déverser une grâce. Sur... Amen. Les bénédictions de cette fille ne tombent pas sur toi. Ça tombe sur tes enfants. Amen. Quand je te tiens, je vois 2012. Je vois ta femme avec une grâce, des visions incroyables. Incroyable. Je te vois à genoux avec elle au mois d'août de chaque année, 2015. Je vois comme des gens qui sont en train de prier et de chercher Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je vois, je n'ai pas d'explication, mais je dis seulement ce que je suis en train de voir passer de mon esprit. Elle a une grande grâce, mais qui est très convoitée par le monde des esprits. Avance, papa. Voilà pourquoi elle est protégée, elle est gardée pour un moment, avant que Dieu ne puisse exposer qui elle est vraiment. La ramazo brakeraba. En fait, toi, tu es quelqu'un qui est bénédiction pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Plusieurs... Lève-toi. Je cherche quelque chose que je vois dans mon esprit ici. Approchez-le. Je vois dans mon esprit un événement dans un passé qui a eu lieu avec Orange. Avec Orange. Tu as travaillé à Orange, n'est-ce pas? Oui. Mais bizarrement, je vois à côté de moi, voilà, je ne connais pas son nom, mais je vois le visage de Neveu National. Je travaille avec lui aussi. Tu as travaillé avec lui aussi, c'est dans quelle année? 2013, 2015. Oui. Wow! Dieu dit, fais tout pour le chercher en ce mois de janvier. Prie avec lui et même un billet symbolique. Yes. Donne à cet homme. Dieu veut le faire du bien. Et l'ouvrir des portes. Amen. Toi, tu es une bénédiction pour des gens. Amen. Parmi ces personnes, même je vois une femme qui s'appelle Allegra. Oui. Allegra. C'est ma petite soeur. Ta petite soeur? Oui. Elle est mariée? Oui. Avec Bobo? Exactement. Mon avec père, Bobo. Mon père. Exactement, c'est son mari. 25 août? Exactement. La date de leur mariage? Hein? Exactement, oui. 2018? Je ne me souviens plus de l'année. Je pourrais vérifier. Ça doit être ça. Ah. La main de Dieu est sur elle. Yes. La main de Dieu est sur quelqu'un d'autre que je vois. Évangéliste Gladys. Oui. C'est qui? C'est... la femme de la personne qui m'a fait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Wow! Ils sont où? Ils sont à Kinshasa, ils sont à Upen. Prie pour eux. Yes. Je vois Trésor, oui. Le mari de Trida. Oui. C'est qui? Un couple ami. Nous sommes très attachés, très amis. L'homme. Il faut que tu pries. Yes. Pour eux. Ah, j'enlève mes yeux. J'ai les noms qui viennent en désordre comme ça. Avance, lève les mains. Tu es une bénédiction pour plusieurs. Amen. Et la sœur de l'église est comme une fille pour toi là-bas. Yes. Acclamez très fort. Amen. Ma fille vient. Cette année, tu commences à l'Unikin, faculté de droit. Amen. Et nous prions que le Dieu que je sers, le Dieu que je sers là, te prenne par la main. Et t'amène jusqu'à la fin de tes études. Amen. Que tu fasses la fierté de tes parents dans le nom de Jésus-Christ. Amen.